monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 7 février et... Hein ? C'est ça. C'est ça ? J'ai mon vérificateur de date à côté. Donc là c'est parti, on va à la station. C'est qu'on est comme hier à peu près, il est quasi 11h. Donc là on va refaire encore un peu de luge. Les jours se suivent et se ressemblent. Mais voilà, pour les enfants c'est vrai qu'ils aiment bien. Donc voilà, on fait les choses qu'ils aiment. Et ensuite on va au resto, on va faire le même qu'hier, parce qu'il était franchement très 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 bon, hyper copieux et tout. Donc on va refaire le même. Mes parents sont déjà arrivés à la station, parce que mes frères ont des cours de snowboard. Donc c'était hyper tôt ce matin. Donc là on va les rejoindre. On va se rejoindre au restaurant. Voilà, ce sera plus simple. Et on a récupéré l'eau chaude, hein, Anthony. Alléluia, on a vérifié, on était en stress quoi. Donc On a pu se laver, c'est cool. Parce qu'Anthony hier il a pris une douche, mais rapide. Moi pareil, mais de l'éclair. C'est très compliqué de se laver avec de l'eau qui est... C'est même pas froide, c'est gelé en fait. Ah oui, c'est ça, gelé. C'était vraiment gelé. Tiède. Ouais, tiède. C'était un peu compliqué. Les enfants, on les a pas lavés hier soir, on les a lavés ce matin parce que je voulais pas les chocs thermiques, ça va aller. Donc du coup, on arrive gentiment là. Dans quelques minutes, on y sera. Oh, je m'y fais toujours pas à la route en... Oh, franchement, c'est dur. La route comme ça en zigzag, là, j'ai vraiment du mal. Surtout là, elle est vraiment très en zigzag. Donc... Ça se fait tout seul. Ah non, franchement, c'est... Moi, à côté, je subis. Toi, tu conduis, ça va? Tu conduis, elle fait. Ouais, mais non. Là je peux pas conduire ici là. Donc bref, on arrive et on vous prend depuis la station. Bon, c'est bon, on a trouvé une petite place sounette. Et en fait quand on était venu il y a 2 ans, il y avait plein de neige partout. Il y en avait vraiment partout. Et là cette année il y a vraiment beaucoup moins de neige que d'habitude. On en parlait avec le moniteur d'Arthur hier. Et ils sont désespérés quoi. Franchement il y a très très peu de neige. On est à la station de Réalon. Pour ceux qui m'ont demandé, je vous ai même pas dit. On est à la station de Réalon dans les Hautes-Alpes. Et ouais, et par rapport à il y a 2 ans, il y a vraiment très peu de neige. Donc bref, voilà, il fait super chaud aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'il fait vraiment très très chaud. On a tous vraiment très chaud. Mais après, en fin de journée, il commence à faire froid. Donc voilà, il faut même que je rajoute mon polaire parce que ça a un peu de geste. Mais là, pour l'instant, on a hyper chaud. Anthony, une salade verte? Une salade verte, c'est du pain sec. Et une paille. Ne pas oublier la paille surtout. C'est très important. Et toi Victor, t'as pris quoi? Pâte, crème champignon. Ouais. Bon, assiette de kebab. Et toi Anthony, t'as pris quoi? Pareil. Pareil. T'es inspiré. Alors Arthur, t'as pris quoi toi? Une assiette de steak tagliatelle. Pero tal vez estás con otro que no te quieres. Pero yo te quisiera más. Y cerrar esta herida. Y se siente vivir cuando no estás. Pero así es la vida. Baby, tiene que doler pa' sanar. Y cerrar esta herida. Y se siente vivir cuando no estás. Porque vivir no se olvida. Oh yeah. Ouais, William. C'était ultra cool. Alors, tu te sens comment? Parfait. Et là-bas, j'ai jambe tombée. T'es tombée? Bah oui. Ah, comment t'as fait? Touche-moi. Oh non, mais pourquoi t'as mis ces gants-là, Mimi? Sont où les autres? Tu les vas? Non, ah non. Que tal si algún día nos vemos? Y me acuerdo de esos instantes. Si dejáramos el pasado y esos besos. Pero los dos nos amaríamos como antes. Es que no es la realidad, pero si fuera verdad. Creo que me parará todo ese dolor. Pero no me llevará a donde yo quiera estar. Mais t'es un petit champion toi, dis donc. Ouais, t'as vu comment j'ai poussé? Ouais. Arthur, attends-moi. Ah, Freine. Allez, vas-y. Allez, bolide. Ouais. Bon, du coup je vous reprends seulement maintenant. Je n'ai pas fait de sieste, promis. J'avais envie et au final, on a fait autre chose, on a pris le goûter, tout ça,
ça m'a redonné de l'énergie, donc ça va, j'ai pu monter mon vlog. Et là, en fait, ma maman a eu l'idée de faire une crêpe partie, mais pas une crêpe partie basique, en fait. Elle a envie de faire un duel avec Anthony, en fait, parce que à la maison, c'est tout le temps elle qui fait les crêpes, et puis bah, de notre côté, c'est tout le temps Anthony qui fait les crêpes, parce qu'il se débrouille super bien. Donc là, du coup, c'est les deux faiseurs de crêpes, on va dire, qui sont en battle en bas. Donc je vais aller filmer ça dans quelques instants, mais ils sont dans une lutte acharnée, vraiment, ils prennent ça au sérieux. Donc, puis ma maman, attention quoi, les crêpes, c'est, elle adore tellement ça, que voilà, mais là, je sens qu'il y a de la tension, elle n'arrive pas à faire comme elle veut et tout, donc bref, c'est assez marrant, donc je vais vous montrer tout ça, et c'est parti, go, on y va. Ah si, ouais, c'est parti pour la crêpe partie. Maman, tu vas pas dire où est Adrien. Ouais. Alors, qui va faire le plus de crêpes aujourd'hui? Et là, c'est Anthony. T'as osé défier la maman? Ah, je suis en train de perdre. Oula! Elle triche. C'est quoi la technique du masque alors là? C'est pour empêcher la chemise d'aller là. Voilà d'où je tiens toutes mes astuces. C'est elle, l'astucieuse. Non, on la compte pas de là. Bon, alors là, Anthony, il triche. En plus, il y a 2-3 grumeaux là. Je suis obligée de défendre ma mère, hein, je suis obligée. Ma mère, hein, ma mère. Allez, vas-y. Ouais. Attention. Anthony, vas-y. Ouais. Et en plus, tu fais ça avec ton fuseau. Pas mal. C'est la tenue de crépiste. Attention. Ah, attention là. Pas mal, pas mal. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est la technique ça. Ça, c'est les crêpes, elles sont très light. Très light. Attention, attention. Ouais. Oh, une double, une triple. Il commence à avoir un petit paquet là. On sent que t'es une vraie pro toi aussi. Voilà, ça saute partout là. Je ne sais plus où donner la tête là. Ouais, Anthony. Ouais. Ouais. C'est bon, je crois. Normalement, 2 tours. Hein. Voilà, t'as fait au moins 10 tours là. Tu vas. Attention. T'as pris une sacrée poêle à crêpes toi pour faire ça. C'est la poêle de. C'est la technique des Bretons, ça, t'es sûr? Ah, c'est la technique. Je suis pas sûr que les Bretons ils vont être d'accord avec ton procédé là. Tu triches, Anthony. Non, je triche pas. Elle l'a dit, tu triches. Non. Attention. Attention, là ça rigole plus, il y a une ambiance en cuisine là. Mais qu'est-ce que t'as à dire? C'est raté. Quand elle n'est pas entièrement ronde, elle est ratée. Elle ne compte pas. T'arrêtes pas de la perturber. Il y en a plus d'une où il y a des trous et ça compte pas. Non, il n'y a pas beaucoup de trous là, quand même. Là, je vois, il y a un trou là, ça compte non, pas. C'est zéro, non, on va les goûter. Là, il y a des trous, c'est zéro. Ça. Vas-y, Anthony. Alors moi, il n'y a pas de trou. Ah, mais il y en a moins, Anthony, il y en a moins. Ouais, mais c'est normal, jette comme ça, jette. Ouais. Les crêpes dentelles. C'est dentelle. Elle a pris la plus belle poêle. Allez, on va dire qu'elle est bonne. Allez. Corinne. Bon, Anthony, vas-y, sauve l'honneur. Moi, il met plus de temps. C'est un grand et moi, c'est un petit. Ah ouais, parce que... C'est la grande poêle et la petite poêle. T'as fait quoi là? T'as fait le prétexte de 2 euros là? Elle a été jusqu'à les plier pour qu'il y ait plus de volume. Et regarde, ça se voit que c'est grand-mère qui a gagné, regarde ça. Donc, alors non, Victor, dis-nous qui a gagné, Victor, c'est toi qui dois dire. Bah là vous voyez bien que ça fait plus petit que ça. Donc c'est moi qui a gagné. Bah voilà. Ouais. Ça cuit à fond. Ah, t'es pas trop déçu? Non mais si j'avais voté moi, j'aurais dit que c'est toi qui avais gagné. Non
mais c'est un peu, il y a un peu de triche quand même. Ah, il y a un peu de triche. Ah, c'est pas déjà de une. Elle a donné une poêle à crêpes. Et elle a donné une crêpe à l'arbitre. Elle a donné une crêpe à l'arbitre. Et elle sauvait par rose, il y a plein de trous dedans. Ouais, mais c'est des crêpes dentelles. C'est des crêpes dentelles. Ah, mais elles sont légères, c'est sûr. Et c'est des crêpes dentelles. La dentelle, ça détruit la dentelle. Ouais, dans le fond, c'est un gruyère. Ah, gruyère. Allez, un petit gigot d'agneau. Voilà. C'est un agneau de lait, ça ou pas? C'est un agneau de lait? Ouais. Bon, on vous reprend bien plus tard après cette soirée mémorable, franchement. Il est quasiment 1h du matin, on dort toujours pas. Tout va bien. Et Anthony, là, il commence à être bien malade. En fait, faisait beau, il faisait même meilleur. Aujourd'hui qui est 8 degrés à 4 degrés et à 3 degrés après. En vrai, quand on arrive le midi. Et après à l'ombre. Là. Ah, mais c'est ça qui est bizarre. 2 degrés à la fin. Ouais, mais quand on arrive le midi, il fait une chaleur, mais je vous assure, une chaleur de dingue. Et nous, on est habillés comme des malades en fait. Et à partir de. Je sais pas quelle heure, Anthony. À partir de 15h par là. De 15h. Là, bah là, c'est on bah, passe c'est... De. Je sais pas moi. De 8 degrés, on était de 8 degrés, on est passé à. À 5, 4 quoi. 4, mais vraiment au soleil, il faisait vraiment très bon. Et après, il n'y avait plus du tout de soleil dans la station, enfin là où on était, parce qu'en fait, on reste là où il y a les enfants. Enfin, en tout cas, ouais, au tout début du cours, on reste là pour voilà, regarder les premiers, en première descente. Et puis après, on a bougé un peu, on a été boire un petit chocolat, tout ça. Mais de les regarder comme ça, on bouge pas. Et du coup, on a hyper froid, quoi. Donc moi, ça allait aujourd'hui parce que je savais que ça allait être comme ça. Donc j'ai pris mon tour de cou. Ouais, voilà, j'avais prévu le coup. Et Anthony, non, lui, il est parti en mode ça va, il va faire chaud. Bah non, mais il faisait plus chaud qu'hier. Donc je me suis ouais, il faisait plus chaud qu'hier. Mais bon, il était là, il y avait un moment où ça allait pas là. Ouais, son canapé, là, il était pas bien. Une bonne nuit de sommeil, ça va. Ouais, en tout cas. Bonne nuit. Bonne nuit. La nuit, elle a déjà commencé. La nuit, elle a déjà commencé et on sait qu'on va être réveillé encore tôt demain. Donc, d'ailleurs, elle est encore réveillée, hein, maman. Mais... Elle est ultra en forme. Hein. Ouais, c'est bien. Et elle nous met la musique des bronzés qui font du ski. Mais du matin au soir. On voit le concept. Donc, du coup, on va clôturer. Ah, j'ai toujours 0 minutes. On va clôturer le vlog maintenant. On espère que ça vous a. Oui, vas-y. Non, vas-y. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit. À demain. Pour une prochaine vidéo. Sur notre chaîne.